Apollon vient inventer le lycée. Au lycée, on va y apprendre la philosophie, les mathématiques, la philosophie, la grammaire, les langues étrangères, les langues étrangères, etc. Et Apollon veut suivre ce qui se passe. Donc il fait la sortie des écoles avec son grand imperméable noir. Et là, un beau jour, il tombe en arrêt devant une petite nymphette délicieuse. Elle s'appelle Daphné. Daphné est belle comme un cœur. Daphné le regarde, il est plutôt beau mec. On sent qu'il va se passer quelque chose entre eux. Mais là encore, là-haut, le patron, celui qui décide de tout, Zeus, Jupiter, lui, c'est très simple, quand il n'est pas d'accord, il transforme les gens en végétaux. Donc il transforme la petite Daphné en un buisson, le Laurus nobilis en latin, ou laurier d'Apollon. Et quand Apollon s'approche d'elle, eh ben, il se retrouve face à un buisson. Alors évidemment, il est triste. Pour évoquer Daphné, il se met une couronne de laurier sur la tête et devient un lauréat. Mais, sur la couronne de laurier, il y a encore quelques petits fruits rouges, les baies du laurier. En latin, ça se dit baccalauréat. Donc il a inventé le lycée, il vient d'inventer le baccalauréat, et ça, c'est le prix à payer. Hein ? Il faut absolument passer son baccalauréat avant de faire sa cour. De voir tous ces artistes